Alors, Stéphanie Rivoire, qui donc aujourd'hui est directrice de la bibliothèque du Musée des Arts Décoratifs et qui était auparavant, pendant de longues années, 6-7 ans, non ? 10 ans, oui. 10 ans, directrice adjointe de la bibliothèque Kandinsky. Donc, voilà. Qui fait partie du comité organisateur de cette journée d'études et que je remercie de tout le travail qu'on a pu, plaisir qu'on a pris à travailler ensemble. Voilà. Merci. Est-ce que ça fonctionne là ou je dois appuyer sur quelque chose? Non, c'est bon? Vous m'entendez ou pas? D'accord. Est-ce que c'est un problème de proximité? C'est bon là? D'accord. Je remercie Elitza d'avoir mené à bien l'organisation de cette journée, un petit peu perturbée à l'instant, puisque nous avons eu effectivement, ça a été dit en démarrant, beaucoup d'échanges avec les collègues du MVP, avec Sophie Desraux, sur la question de l'archive, des espaces de l'archive. Et pour ce qui me concerne, après les interventions de ce matin qui vous ont fait découvrir des univers et ce que l'archive ou la bibliothèque permet de comprendre, de découvrir de ces univers, ma présentation revient sur des questions plus méthodologiques et archivistiques, puisque c'est de là, de cette position que je parle comme archiviste. Ça a été abordé déjà par Florence avec l'exemple de Pierre Gaudibert je vais l'aborder à partir des expériences que nous avons menées à la bibliothèque Kandinsky, centre de recherche et de documentation du Musée national d'art moderne. Je pense que tout le monde ici connaît ce lieu qui a ces 10 dernières années consacré beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens humains au développement d'une politique d'acquisition, de traitement et de mise à disposition des archives. Non pas que le Musée national d'art moderne ne s'y était pas intéressé avant. Beaucoup de fonds d'artistes en particulier étaient arrivés bien avant. Mais il y a un problème de micro. C'est mieux là? Je vais le prendre. On va s'arranger. Voilà, je vais le tenir, comme ça au moins je suis sûre que je suis au bon endroit. Donc ce que je disais, c'est que non pas que le MNAM ait attendu ces 10 dernières années pour s'intéresser aux archives d'artistes qui étaient arrivées précédemment au musée, mais qu'il avait, sous l'impulsion d'Alfred Pacman, souhaité développer et professionnaliser le traitement des fonds. Pour une raison principale, c'est que les chercheurs étaient de plus en plus demandeurs et pressants, ce qui nécessite forcément de travailler de manière plus systématique sur les fonds. Deuxième aspect, le volume des fonds qui étaient proposés au musée qui s'accroissait de manière assez considérable, ce qui nécessitait aussi une autre méthodologie. Ce n'est pas la même chose de prendre un fonds d'archives d'artistes et d'en prendre 20 ou 25 en une année. Voilà, ça nécessite d'autres modes de travail. Et enfin, parce que le constat avait été fait que, et ça a été un petit peu abordé là juste à la fin par Florence, quand des legs importants, notamment de fonds d'atelier, étaient consentis au Musée national d'art moderne, l'effort était porté sur les œuvres, que les bibliothèques et archives étaient ramassées un peu comme on pouvait, parce que faute de temps, faute de moyens, faute de méthode aussi, et qu'après, on avait ça sur les bras et qu'on ne savait pas forcément toujours très bien comment s'en sortir. Voilà. Alors, donc,
La bibliothèque Kandinsky, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est environ 200 fonds d'archives conservés, dont les deux tiers sont des fonds d'artistes, toutes disciplines confondues, et ça a été abordé dans les interventions précédentes. On parle de papier, on parle de photographie, on parle d'enregistrement sonore, de vidéo, on parle de maquettes, on parle de collage, on parle de beaucoup de choses de nature très diverse. Et c'est toute discipline pour le XXe siècle, donc des plasticiens, peintres, sculpteurs, des photographes, des architectes, des designers, et donc des vidéastes. Et donc ça multiplie évidemment les modalités, les formes, les supports et les problématiques de collecte et de conservation. Ça pose aussi des questions de statut que je vais aborder au fil de l'intervention. Depuis 2011, ces fonds sont décrits de manière normalisée. Alors ça va être mon incise normalisation de la matinée, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais quand même c'est important, il existe des standards internationaux pour décrire les fonds d'archives et les producteurs de fonds d'archives, donc ce sont les sigles ISAG et ISAR-CPF, qui sont des acronymes pour ces standards internationaux, qui normalisent la façon dont on doit décrire les fonds, leurs producteurs et les éléments qui composent les fonds. Alors c'est quelque chose, la normalisation, qui est vraiment prégnante dans les métiers des bibliothèques et des archives, et qui nous permet d'avoir des contraintes, mais aussi des outils, en fait, des supports, des guides pour transmettre un certain nombre d'informations qui vont être des informations de description proprement dite des éléments et du contenu, mais aussi au niveau des fonds, des éléments d'information du contexte dans lequel ces fonds arrivent. Et là, on a évoqué tout à l'heure le fait que parfois, on ne se souvient pas quand, comment c'est arrivé, sous quelle forme, qui s'en est occupé, etc. Et donc, on perd de l'information. Si cette information a été inscrite dans un outil, dans une fiche descriptive normalisée, on a une chance de ne pas la perdre. Et donc ça, c'est une des premières choses qu'on a mises en place en 2011. À chaque fois qu'on va avoir un fonds quelque part, on commence à remplir une fiche et on y inscrit des informations sur ce qu'on voit, qui est notre interlocuteur, avec qui on a vu le fonds, parce que souvent on y va avec un conservateur spécialiste de l'artiste, puisque comme j'ai dit, à la bibliothèque Kandinsky, on traite de tous les domaines et de tout le 20e, donc forcément l'archiviste n'est pas spécialisé de toutes ces questions. Donc ça donne lieu pour la bibliothèque à la construction d'un cadre de classement. Alors je sais que c'est assez petit parce que l'application ne permet pas de faire des zooms, avec des grands ensembles de fonds par catégorie, fonds d'artistes, fonds d'architectes, designers, et puis il y a d'autres types de fonds, de photographes, de vidéastes, je l'ai dit tout à l'heure, et vous voyez apparaître des fonds de galeries, de revues, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et si on va... sur ce plan de classement, on peut ouvrir des inventaires. Et je vais en ouvrir un pour que vous voyez un peu la fiche de fonds normalisée telle qu'elle est constituée. Donc à tout seigneur, tout honneur, Kandinsky, bien sûr. Et vous voyez tout de suite que ma fiche de fonds, elle est structurée avec un sommaire qui présente différents éléments d'ISAG, donc de cette norme de description du fonds, que nous devons remplir. Alors certaines zones sont obligatoires, d'autres ne le sont pas, mais parmi celles qui sont obligatoires, vous avez des éléments qui concernent le classement, la façon dont on a structuré le fonds, et je pense qu'on y reviendra dans la table ronde parce que c'est une question prégnante dans la pratique archivistique, des informations sur les modalités d'entrée, quand, comment, pourquoi, est-ce qu'on a pu aller sur place ou pas, etc. Donc il y a des informations à caractère juridique, mais il y a aussi des informations à caractère très pratico-pratique sur les modalités de la collecte. Un historique de la conservation, si on sait qu'il y a eu des destructions à un moment donné, si on sait que des choses ont été éliminées, si on sait qu'on a sélectionné parce qu'on ne pouvait pas tout prendre, on doit l'indiquer
de manière à ce que le chercheur, quand il arrivera, lui, sur cet inventaire, sache que bah, y a telle lacune parce que, ce qui a été dit tout à l'heure, le don d'archives de Danny Bloch était ciblé sur l'art vidéo parce que c'était cette pratique-là qui semblait importante au moment où le fonds a été remis. Et peut-être que 20 ans après, on aurait fait une sélection différente. Donc on doit justifier des choix qui sont faits, que ce soit nous qui les fassions, ça arrive, ou que quelqu'un d'autre les fasse. Et puis évidemment, d'autres informations à caractère bibliographique ou de documents en relation ou séparés du fonds. Et c'est particulièrement important dans un service qui gère des archives dans un musée, puisque une des pratiques qui ont eu très longtemps cours et qui ont encore cours, malgré toute la méthodologie qu'on peut essayer d'apporter dans les musées, c'est que des pièces considérées comme importantes, centrale dans l'œuvre de l'artiste, ou par exemple des dessins d'architectes dans un fonds d'architecte, sont souvent inscrits en collection des œuvres du musée. Et donc extraites du fonds, conservées dans les réserves des œuvres du musée, et donc soustraites en partie, même s'il y a des notices d'œuvres, etc., mais soustraites au chercheur qui vient consulter un dossier. Et donc, notre travail, quand on fait ces inventaires, c'est de pouvoir dire, mais dans ce dossier, il y avait telle et telle pièce qui ont été extraites et qui sont conservées en collection sous telle référence. Et pour ce qui concerne la bibliothèque Kandinsky, on a commencé à faire des liens vers les notices d'œuvres en ligne pour permettre aux chercheurs de consulter la notice de l'œuvre, et souvent elles sont photographiées, donc de visualiser aussi la pièce qui n'est pas présente physiquement dans le dossier. Donc tout ça fait partie de la norme de description des archives. Donc si on applique cette norme, ben, on est censé pouvoir transmettre un maximum d'informations. Évidemment, c'est la situation idéale si on dispose de toutes les informations, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, pourquoi ça n'est pas toujours le cas? Je vais revenir à mon PowerPoint. Pardon. Excusez-moi. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de fonds étaient arrivés au Musée national d'art moderne sans forcément la mise en place d'une méthode qui permettait de préserver ces informations dont je viens de vous faire part. Pour les raisons qu'on a évoquées, de temps, etc., mais pas seulement. Aussi parce que quand un don ou un legs est consenti à une institution de la part d'un artiste, la question de l'archive, finalement, est longtemps resté assez accessoire et était très peu évoqué dans les legs. Et donc, si on regarde par exemple ce leg très important de Brancusi, élégué absolument tout ce qu'on contiendront au jour de mon décès mes ateliers situés à Paris, etc. Il y a une faute de saisie, je suis désolée, c'est un passeron saint évidemment. Et il cite dans son atelier les œuvres, les ébauches, les établis, les outils, les meubles. Il ne parle pas d'archives, il ne parle pas de bibliothèque, il ne parle pas de photographie, mais il y en a dans les œuvres, mais il n'y a pas que des œuvres, il y a aussi des photographies personnelles, etc. Ça n'est absolument pas abordé dans le document qui lègue à l'État l'ensemble du contenu de ces ateliers. Et ça, c'est le cas le plus fréquent, malheureusement. Par ailleurs, la contrainte du délai pour être intervenu dans l'atelier de Jean Devanne, dont il a été question tout à l'heure, quand on nous appelle en disant qu'il faut vider l'atelier dans les 15 jours, en gros, on prend des cartons de déménagement et on prend ce qu'on peut. Il faut être très pragmatique, hein, mais ça se traduit parfois comme ça. Et là, la méthodologie... on a beau essayer de garder un cadre, c'est assez complexe, évidemment,
de pouvoir le maintenir. D'autant que, et le cas de l'atelier est assez intéressant de ce point de vue, un atelier, ce ne sont pas forcément des archives rangées sur des étagères. On a vu déjà dans le bureau qu'il y avait de Godibert qu'il y avait beaucoup de choses au sol, etc. Dans un atelier, c'est souvent encore plus confus. Il y a évidemment les œuvres qui ont souvent la priorité dans le récollement qui va être établi. Il va y avoir des livres, de la correspondance, des photos, des pinceaux si c'est un peintre, des outils divers de production de l'œuvre, des pigments, des tubes de peinture, des palettes, etc. Et quand on tombe sur quelqu'un qui a structuré ses archives, on a la chance de trouver des dossiers constitués. Il arrive que tout soit allègrement mêlé, des piles sur le bureau, la palette posée sur une pile de livres sur laquelle on a reposé un dossier, et tout ça cohabite. Tant que l'artiste est là, tout va bien, il s'y retrouve à peu près. Mais quand nous arrivons après, c'est effectivement très complexe de pouvoir avoir cette méthode. Donc le travail qui a été présenté par Florence d'analyse un peu des strates, un peu à la manière de l'archéologue qui va photographier son terrain et puis relever petit à petit, j'étais très intéressée par le tableau que tu as montré, tablette par tablette, pile par pile, on découvre un peu cet espace. C'est évidemment très précieux, de même que les reportages photographiques, pas seulement faits au moment d'entrée pour venir chercher les archives, mais aussi des reportages photographiques plus anciens qui ont pu être réalisés à différents moments, parce que ça nous permet de visualiser un peu l'espace, de se projeter et d'imaginer avec toutes les précautions nécessaires comment pouvait être structuré, stocker les choses. Cette stratégie de reportage photographique, elle a été notamment adoptée par le Musée national d'art moderne dans l'atelier breton. C'est un reportage photo qui est très connu, donc j'en ai mis que quelques-unes. Ce reportage a permis de reconstituer le mur breton qui est présenté dans l'accrochage des collections permanentes du MNAM, hein, parce que c'est grâce à ces photos extrêmement précises qu'on a pu replacer tous les objets, les œuvres et les outils de travail de Breton sur ce mur. Mais on voit aussi apparaître évidemment la bibliothèque, et puis à certains endroits, vous voyez ici un petit meuble, des liasses de documents dans lesquels se trouvait de la correspondance, ou une armoire dont on sait, grâce au travail qui est fait par l'association des amis d'André Breton, qui contenait un certain nombre de liasses, de livres, etc. Donc tout ça permet de reconstituer, de comprendre comment étaient structurées les choses. Le reportage est en ligne sur le site Archives Bibliothèque Kandinsky que je vous montrais à l'instant. De la même façon, et là pour l'archiviste, nous sommes vraiment attentifs aux travaux que les chercheurs peuvent être amenés à faire in situ avant que l'archive arrive chez nous. Les archives ISOU qui sont arrivées à la bibliothèque Kandinsky il y a 3 ans et qui ont été largement exposées l'an dernier en galerie du musée, ont fait l'objet, alors plus exactement la bibliothèque d'Isidore ISOU avait fait l'objet d'un relevé extrêmement précis, à l'unité près, par Fabrice Flautez et Camille Morando dans un ouvrage consacré à la bibliothèque d'Isidore ISOU, où ils ont reconstitué, fait un schéma de l'appartement en identifiant des zones où se trouvaient les ouvrages. Et donc dans ce petit, petit appartement de la rue Saint-André-des-Arts, l'ensemble des livres sont listés dans l'ouvrage et on sait où ils se trouvaient. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir, pour nous qui avons récupéré cette bibliothèque dans un vrac indescriptible, parce qu'il y a eu plusieurs passages dessus pour différentes raisons, de retrouver cette organisation physique de la bibliothèque. Malheureusement, le travail n'avait pas été fait sur les archives,
De la même manière, l'appartement en était rempli. Isou était un grand graphomane qui a produit une multitude de notes, de brouillons, de manuscrits, de choses découpées, etc. Il y a eu des passages successifs, comme je disais, sur la bibliothèque, aussi sur les archives. Alors, des chercheurs qui sont venus travailler, qui ont un peu réorganisé des choses, des experts qui sont venus pour des expertises commerciales sur le fond, et qui ont regroupé, sorti des choses intéressantes, etc., sans aucun fantôme, aucune trace de ce qui était déplacé. Et donc on était déjà face au vrac isouien qui était quand même assez, déjà en soi une question importante à traiter, mais en plus c'était ajouté un désordre, une mise en désordre, et plusieurs mises en désordre successives, parce que il y avait eu ces exploitations de sources qui étaient entre guillemets non contrôlées et pour un archiviste, on va dire, non normalisées. C'est-à-dire que quand on sort un document d'archive d'une boîte dans un service d'archives, on sait quelle pièce est sortie, où elle est dans le carton d'archives, on place un fantôme, on sait quand et pourquoi elle est sortie et quand elle doit revenir. Là, rien de tout ça, et donc, un espèce de vrac complet. On a beaucoup parlé des bibliothèques, de la bibliothèque mentale, parce que parfois on ne peut pas tout garder. Concernant Isou, et pour faire revenir à l'ouvrage de Fabrice Feuillethès et Camille Morando, il liste énormément d'ouvrages qui ne sont pas physiquement présents dans la bibliothèque. Parce qu'en fait, la bibliothèque d'Isou, c'est aussi, et ils ont fait ce travail, un travail assez systématique de relever des références bibliographiques qu'Isou cite, des bulletins d'emprunt, de consultation, pardon, qu'il avait conservés de ses séances de travail à la BNF, voire de bulletins d'emprunt dans différentes bibliothèques parisiennes, soit à son nom, soit au nom de personnes qui l'entouraient. Parce qu'il disait énormément et qu'il était inscrit dans une dizaine de bibliothèques différentes et qu'il empruntait énormément. Donc évidemment, c'est un travail tout à fait précieux. Les livres que nous avons récupérés représentent à peine un tiers de l'ensemble des références qui sont citées dans l'ouvrage dont je parle. Et qui sont des ouvrages extrêmement annotés, déchirés, avec des collages. Enfin bon, voilà, c'est vraiment une lecture très active que la lecture d'Isou de sa bibliothèque. Alors, en même temps, pour introduire une petite nuance, il ne faut pas non plus forcément surévaluer ce travail de repérage initial. Parce que si je me réfère à l'analyse assez fine qui a été faite de la bibliothèque d'Albert Glaise, qui est conservée à la bibliothèque Kandinsky, léguée par Juliette quand elle décède en 82, soit 30 ans après la mort de l'artiste, la bibliothèque est constituée de 410 ouvrages. Or, l'inventaire qui a été établi immédiatement à la mort de Juliette Glaise compte plus de 3000 livres. Quelle est la différence? En fait, le Musée national d'art moderne n'a pris en charge que les livres ayant appartenu spécifiquement à Albert Glaise. Et pendant les 30 années qui ont suivi, Juliette a elle aussi acheté des livres, reçu des livres et complété la bibliothèque, parce qu'une bibliothèque, c'est vivant. Et que si on ne la reçoit pas immédiatement après le décès de l'artiste, eh bien, il y a eu des interventions dessus, des gens se sont servis pour consulter, n'ont pas forcément remis l'ouvrage, ou ont rajouté des livres, parce que quand on vit, ça reste dans le même appartement, on rajoute des livres au fur et à mesure, et finalement, ça n'est plus la bibliothèque d'Albert, mais c'est une bibliothèque qui a vécu sa vie. C'est un peu le même souci sur le fonds Vassili Kandinsky, qui a été remis, qui est entré par legs de Nina Kandinsky. On n'a pas d'idée de ce qu'était le classement initial du fonds à l'époque où Kandinsky était vivant.
puisqu'on sait que Nina Kandinsky a constitué, reconstitué, modifié un certain nombre de dossiers pour faire vivre l'œuvre de Kandinsky, puisque ça a quand même été une ardente porteuse de projets, animatrice pour qu'il y ait des expositions, placeuse d'œuvres auprès des institutions, etc. Donc le fond tel qu'il est restitué dans l'inventaire, et ça fait partie de ce qu'on explique dans la fiche introductive que je montrais tout à l'heure, a vécu des vies et il ne nous est pas parvenu tel qu'il était au moment de la vie de l'artiste. Donc nuancer aussi, même si on documente bien la collecte et qu'on transmet toutes les informations, s'interroger sur à quel moment le fonds est arrivé, est-ce qu'entre-temps il n'y a pas eu modification, soustraction, ajout d'un certain nombre d'éléments, et c'est très souvent le cas. Et donc, je vous ai mis, à titre d'information, mais comme je dis, à prendre avec des pincettes, un extrait de la prisée notariale qui a été réalisée dans l'appartement de Nina Kandinsky, qui est un document extrêmement précieux pour savoir ce qui a été légué au Musée national d'art moderne. Toutes les œuvres, je n'ai pas mis d'extrait concernant les œuvres, sont identifiées une à une et numérotées. Quand on arrive au numéro 185, divers paquets de plusieurs liasses de correspondance, l'archive se dit mince, ils n'ont pas fait le travail d'être précis comme pour les œuvres, mais on continue, il se trouve que c'est sur une autre page, la page suivante, une première liasse de 51 lettres de M. Zervoz, et là on a des descriptions de ce qui est récupéré dans les différentes pièces de l'appartement de manière extrêmement précise. Est-ce que c'était organisé comme ça à l'époque de Vassili? C'est encore, évidemment, comme je viens de le dire, une question. Pour vous donner une idée, ce document comporte 300 pages de description, à la fois liste d'œuvres et identification de liasses de documents. La bibliothèque, par contre, n'avait pas fait l'objet, dans un premier temps, d'un relevé complet. On va aller dans un autre univers, on va sauter quelques années, et pour exprimer une question qui touche aussi à l'archive plus contemporaine, avec un besoin de repérage qui nous semblait à l'équipe de la bibliothèque Kandinsky de plus en plus nécessaire, du fait du nouvel intérêt porté par les archives eux-mêmes, par les artistes eux-mêmes à leurs archives, et qui nécessite un effort accru en matière de contextualisation. Alors là, vous avez une photo de l'ancien atelier de Xavier Veillon, qui a remis ses archives, et c'est une particularité de la bibliothèque Kandinsky que de prendre en charge des archives d'artistes vivants et encore actifs et producteurs donc d'archives, ce qui pose un certain nombre de problématiques de classement. Et évidemment, on va commencer à classer le fond et d'autres choses vont arriver. Est-ce qu'on a tout? Enfin, voilà, ce sont des questions aussi de méthodologie. La question de la définition de qu'est-ce que l'archive pour un artiste aujourd'hui. Et quand on est dans le dialogue immédiat et direct avec l'artiste qui produit des archives, par exemple, Xavier Veillant, première rencontre, nous dit dans mes archives, il y a ma musique, il y a les disques que j'écoute. Donc là, vous avez des 33 tours qui sont rangés à côté du synthé, là, voilà. Est-ce que ça doit rentrer dans le fond d'archives? Je précise que dans le fond Brancusi et dans le fond Kandinsky, il y a les disques qui étaient présents dans les ateliers, qui ont été pris. Donc, est-ce qu'on le fait aujourd'hui pour un artiste qui va continuer sans doute, aujourd'hui il achète peut-être plus de 33 tours, mais à faire de la collecte de fichiers MP3 ou encore, et là on est dans un musée, vous allez me dire on sait garder les objets, mais quand même ce type de maquette que Veillant produit dans le processus
d'imagination, de création, de production de ces œuvres. Il passe par des maquettes à différents formats jusqu'à arriver à l'œuvre monumentale qu'il peut concevoir parfois. Et bah, pour lui, ça fait partie des archives. Ça n'est pas une œuvre, puisque ça n'est pas ce qu'il va présenter, avoir au public, ce qu'il va installer dans l'espace public. Pour lui, ça fait partie de ses archives. Donc ça, c'est aussi une question, comment on documente et on intègre ce type de choses. Certains ont une idée très précise de ce qui est archive, de ce qui est œuvre, mais tous n'en ont pas la même définition. Sinon, ce serait évidemment trop simple. Si on prend des carnets, par exemple, d'artistes, on a Barbara Adichie nous a confié une grande partie des archives des Torres Sotsas il y a quelques années. Les carnets, alors ici des agendas, mais aussi des carnets de croquis et parfois des carnets de dessins plus avancés. Vous voyez ici des carnets mis en couleur ou des compositions complètes de pages sont entrés en tant qu'archives à la bibliothèque Kandinsky et pas en tant qu'œuvre. À l'inverse, un artiste comme Claude Ruteau, qui a produit à un moment donné des carnets qui sont vraiment des carnets non pas diffusés, mais des carnets de recherche dans lesquels il rapproche des couleurs, des textures, il colle des photos et qui constitue en quelque sorte une sorte de, comment on dit, de book. Aujourd'hui, on dit ça pour la mode, donc c'est des books de tendance, on va dire. C'est un petit peu ce qui l'intéresse à un moment donné. Il s'est longtemps questionné sur le statut de ces objets. Et aujourd'hui, il nous dit, bon, mais ça devrait être conservé au cabinet d'art graphique comme une œuvre. Donc, on voit que pour des objets très proches, finalement, chaque artiste va avoir une définition différente. Et c'est sans doute ce qui rend complexe l'approche de l'archive plus avec ces artistes qui sont encore actifs, c'est qu'ils construisent leurs archives. Certains ayants droit le font aussi. C'est ce que les artistes ne sont pas seuls référents à la matière, en considérant que certaines pièces entrent ou pas dans leur œuvre. Et c'est là aussi à nous de l'expliciter. Le chercheur ne va peut-être pas venir chercher les carnets de dessin de Sotsas dans les archives. Pourquoi ils y sont, c'est à nous d'expliquer pourquoi ils y sont. Ça peut parfois aller assez loin aussi, cette construction de l'archive. Je pense aux travaux menés par Anne-Marie Duguay avec sa série Anarchive, qui, en travaillant avec les artistes, propose des sélections d'archives sous des formes. Alors, ça a commencé en 1995, c'était la mode du CD-ROM, DVD-ROM. Je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas pu récupérer d'images. Mais en travaillant, par exemple, avec Muntadas, construit. Alors là, pour le coup, on peut vraiment parler de topographie de ces archives, puisque propose quatre. Une sorte de bâtiment imaginaire composé de quatre espaces. Qui représentent des concepts, des œuvres et des modalités de monstration choisies par Muntadas. Alors, il y a un espace qui s'appelle l'aéroport, qui représente une géographie des projets d'exposition qu'il a pu mener. Un espace qui s'appelle bibliothèque, avec des mots-clés qui correspondent à des concepts importants dans son travail et dans son œuvre. Un espace qui s'appelle auditorium, et qui permet de présenter des œuvres et de les commenter. Et un autre espace qui s'appelle observatoire et qui propose des liaisons avec des références documentaires ou artistiques qui lui semblent compléter, enrichir, questionner son propre travail. Donc là, il y a une sorte de reconstitution topographique à partir de sélections d'archives. Et voilà, alors l'archive Muntadas existe par ailleurs physiquement, elle n'est pas rendue inaccessible, mais c'est ce qui est proposé comme une approche topographique de l'archive de Muntadas. Je surveille l'heure, parce que je crois que j'ai déjà dépassé, je suis désolée. du coup... Voilà.
je parlais de Ruto. Voilà. Par exemple, on a une expo à la galerie Michel Didier de Ruto, où Claude a présenté des classeurs d'archives dans l'exposition, et il les a présentés de la même manière que les œuvres. Donc, c'est vraiment une approche très différente de... alors, j'avais choisi comme titre de communication une phrase de Fischer, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui à plusieurs reprises sur ses archives, et je trouvais que c'était un exemple assez intéressant d'un point de vue de la topographie, puisque Hervé Fischer, qui a vécu et travaillé à Paris dans un premier temps, est parti s'installer au Québec au début des années 80, en laissant derrière lui une partie de ses archives et en les confiant au Musée national d'art moderne. Mais il n'a pas tout laissé à Paris. Et donc j'étais assez intéressée de savoir ce qu'il avait emmené et pourquoi, et est-ce que ça allait revenir à Paris. Enfin voilà, c'est intéressant de voir, quand on est archiviste, qu'on travaille sur un fonds, il y a des lacunes. On discute avec l'artiste. Alors, il a emmené ce qui lui semble l'est le plus fondateur dans son travail, et notamment les performances-actions qu'il développe dès la fin des années 60 et au début des années 70. Non pas dans l'idée que ça va peut-être être reproduit ou autre plus tard, mais parce que ça lui semble être finalement le germe de tout ce qu'il a développé ensuite. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ça se trouve dans son appartement à Montréal, dans son bureau. Donc vraiment, c'est le cœur du lieu où il travaille, avec sa bibliothèque de référence. Alors que d'autres espaces dans l'appartement, une chambre, le salon, mais aussi la cave, conservent d'autres types de documents. Qui sont finalement plus récents pour lui, mais plus éloignés, et qui ne sont pas le cœur, ce qui constitue, comme il dit, le germe de tout ce qu'il a fait ensuite, et dont il est prêt à, enfin, dont le don est déjà négocié avec le Musée national d'art moderne. Mais ce qui est le germe de tout son travail, c'est quelque chose qu'il a prévu de ne donner qu'après son décès. Donc voilà qu'il y a une espèce d'intrication assez forte entre finalement la vie de la personne et ce qu'il est capable d'éloigner de lui à un moment donné. Je ne parle même pas de ce qui est au chalet à 200 km de Montréal, où là on est dans l'éloignement le plus complet. Et ce sont des cas finalement qui se répètent assez souvent. J'évoquais Sotsas tout à l'heure pour en finir et passer à la table ronde, parce que sinon je vais déborder allègrement. Quand on a travaillé sur les archives de Sotsas, il y avait alors Sotsas a un appartement à Milan et un studio, une agence dans lequel se trouvait une très grande partie de sa bibliothèque, sauf la bibliothèque de son père qui était à l'appartement. Voilà. Il avait conservé également à l'appartement un certain nombre de photographies, celles qu'il avait publiées et qui traduisent donc son axe de travail sur ce que c'est que la photographie. Et quand dans Terrazzo il publie des photographies avec des textes, là on est dans quelque chose qui ressort d'une œuvre photographique, alors que l'ensemble des autres photographies qui relèvent plus du relevé documentaire, des photographies de panneaux parce que la typographie l'intéressait, ou des photographies d'espace, de paysages, etc., étaient à l'agence. Donc il y a vraiment des localisations assez symptomatiques de la façon dont lui-même a valorisé son travail. On pourrait évoquer sa bibliothèque de manière plus détaillée, mais je pense que ce sont des questions qui reviendront dans la table ronde, donc je m'interromps maintenant. Merci. C'est parfait, donc j'invite les participations de la matinée ici pour la table ronde, et je te laisse peut-être Stéphanie la modérer, ou tu veux que je... On peut déjà prendre des questions.
Je me dis que les sujets qu'on aborde sont aussi, touchent aussi à, par exemple, quelque chose qu'on voit en sciences humaines qui est retour à la biographie. Après un rejet pendant longtemps de l'approche biographique, aujourd'hui on voit de plus en plus un vrai retour à la biographie, mais d'une manière complexe et critique, et des chercheurs, un grand nombre de chercheurs qui commencent à s'intéresser à considérer la biographie non pas comme une monographie, mais davantage comme à cette biographie culturelle, à la différence entre le temps subjectif d'un individu et le temps d'une époque, etc. Et en vous écoutant toutes, je me disais que c'est un peu ça aussi le sujet de cette journée. On le verra sans doute l'après-midi avec cette la part qu'il y a de personnel dans la transmission de ces archives, parce que voilà, est-ce que le fait qu'il y a un appartement de vie, un atelier de travail, une maison de campagne et un chalet, est-ce que tout ça finalement, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça nous, c'est des petits détails qui nous amènent, enfin c'est un peu le est-ce que c'est uniquement informatif, est-ce que c'est anecdotique? Ou alors, est-ce que ça dit quelque chose de la structure de pensée, de la structure de travail, qui est un peu notre sujet? Voilà. Bon, mais ça, c'était une petite remarque qui traduit mes propres questions. Puis évidemment, la deuxième question qui est comment vous transmettez, comment vous faites la part de ce qui est important et ce qui n'est pas important, vous, archivistes, et comment vous transmettez ça au public. Mais je vais me taire pour vous laisser quand même parler, puis pour laisser la parole au public. Oui, et comme là c'est enregistré, alors par contre il faut à chaque fois parler dans le micro, sinon on n'aura pas les questions. Donc Déborah Lax. Merci. Je rebondis à la question de ce que vous gardez ou pas, et en fait c'est plutôt une question pour Stéphane Irivoire. Je me demandais, j'imagine que il y a des choses que vous choisissez de ne pas garder. Et je me demande comment vous faites les choix. Là je pense par exemple au sol de l'atelier de Bacon, avec ce mélange de photographies, de coupures de presse, etc., qui en fait a une importance énorme pour lui, et qui en même temps est compliqué à conserver, qui l'est d'une certaine manière. J'imagine que c'est un cas qu'on peut trouver chez plein d'autres artistes. Voilà. Je me demande dans quelle mesure ce sol n'est presque pas une installation, en fait. Donc, non, mais du coup, ça pose. Enfin, voilà. Je pense que la question sur les artistes, effectivement, alors pour nous à la Bibliothèque Nationale, la question se pose vraiment de la sélection sur les fonds les plus contemporains à cause du volume. C'est tout à fait, il faut être honnête, hein, moi j'ai toujours entendu dans mes formations qu'un bon archiviste, un archiviste qui savait jeter. Donc je sais que ça fait hurler en général nos amis historiens, parce que voilà, comment pouvez-vous jeter? Que savez-vous que dans 50 ans, quelqu'un, voilà. D'où l'importance de documenter ce qu'on fait et d'agir pas tout seul. Donc tout le travail qui a été mené sur les fonds est un travail qui sont arrivés ces dernières années, a été mené conjointement avec les équipes de la conservation pour essayer de définir à chaque fois ce qui était central, ce qui était référentiel dans le parcours de l'artiste. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, hein. Je pense que voilà. Mais et donc pour chaque fond, la réponse est différente. Si je reviens à Jean de Vannes, par exemple, alors je n'ai pas connu lui, mais on voit d'abord un vrac indescriptible, et ensuite une manie de tout garder. Je pourrais retracer sur une carte tous ces trajets en taxi pendant 20 ans. Enfin, c'est quelque chose d'assez frappant. Alors, autant les trajets en taxi sont peut-être pas intéressants, autant les factures concernant les peintures qu'il a utilisées pendant toute une période sont essentielles si un jour on doit restaurer un certain nombre d'œuvres, trouver des teintes, des compositions de peinture, etc. Donc en fait, pour chaque fond, la question va être un peu différente. Et on ne fera pas forcément les mêmes choix.
Là où la question est peut-être un peu plus systématique, c'est, ça rejoint ce que disait Elitza sur la question de l'œuvre et de la biographie. C'est-à-dire que souvent, dans les fonds d'artistes, tout est mélangé. Et si on reprend le fonds Korninsky, on a la correspondance de ses grands-parents, qui est important sans doute pour la biographie de Korninsky, mais qui ne documente pas son œuvre. Enfin, voilà. Donc, est-ce que ça, on le prendrait aujourd'hui? J'en suis pas sûre. Voilà, c'est un peu ce que je peux répondre. Je suis désolée, c'est vraiment pas très... Merci. Oui, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants, donc de vos présentations passionnantes. Donc évidemment, surtout merci aussi à Fabienne de vous être, lancée dans cette généalogie pour retrouver ces traces de l'arrivée d'un fonds qui marque en effet le tout début de cette aventure des archives de la critique d'art il y a 30 ans. Et ce que cela montre bien, et vous l'avez rappelé également Stéphanie, c'est que je pense pour les institutions en devenir ou en création, on est exactement à un moment donné aussi où l'ensemble des critères ne sont pas établis de façon figée et qu'effectivement les choses peuvent arriver par des circuits où on ne sait pas qui a opéré la sélection. Etc. Mais ce qui, par la suite, donc sous effectivement la présidence de Jean-Marc Poinceau, a favorisé ce choix effectivement de l'organicité des fonds pour des fonds considérés d'être des fonds de référence. Hein, et surtout l'organicité dans la mesure où on prend autant la bibliothèque que les archives, ce qui est un peu une particularité. Mais où là encore, je vous avoue qu'actuellement, également pour des problèmes de place, des questions vraiment pragmatiques. Par moment, nous devons trancher aussi avec notre conseil scientifique et culturel. Donc les choses restent également après des négociations au cas par cas. Ce que, en effet, je voulais préciser aussi, puisque Fabienne, vous avez fait la comparaison avec des fonds comme Restani, évidemment. Et puis, intéressant, Ragon et Aline Dallier-Popper. Là, pour le coup, ce sont deux fonds qui sont des fonds qui ne sont pas clos. Donc, c'est-à-dire, effectivement, qui se trouvent encore dans une constante évolution où nous recevons régulièrement des versements complémentaires. Et notamment, donc juste pour vous l'annoncer, pour le fonds d'Aline Dallier-Popper, on va donc recevoir la bibliothèque. Donc, soit à la toute fin de cette année, soit au début 2020. Et également la bibliothèque donc, de son mari, Frank Popper. Les deux étant toujours en vie, bien sûr, et qui complétera de ce côté-là aussi le fonds qui donc va passer d'un mètre linéaire de façon considérable, je pense, sur nos rayonnages. Une dernière question pour vous, Stéphanie, c'était, est-ce qu'il y avait une raison particulière ou qu'est-ce qui vous a amené à la bibliothèque Korninsky de décider de réaliser cette fiche d'entrée que je trouve justement très, très intéressante, significative pour cette prise de conscience de comment on peut garder les traces de l'arrivée d'un fonds, des premiers choix opérés, des personnes impliquées. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, ce que je trouve vraiment un modèle d'agir. Alors, comment dire les choses? Moi, quand je suis arrivée à la bibliothèque Korninsky, je venais d'un service d'archives, donc très traditionnellement service d'archives, avec un certain nombre de pratiques normalisées, réglementaires. Il y a un corpus réglementaire sur les archives qui est très conséquent dans notre pays et qui nous offre des outils, en fait. Les fonds d'archives conservés à la bibliothèque Korninsky étaient très peu décrits, entraient en général par le biais d'un conservateur qui avait récupéré tout ça tout seul dans le cadre de ses échanges avec un artiste ou un ayant droit, et qui pensait que c'était important de conserver ces fonds.
Donc la bibliothèque recevait des cartons de déménagement, ne savait pas forcément très bien d'où ça venait, comment ça avait été ramassé, si on avait tout, voilà. Et quand on commence à ouvrir ces cartons et qu'on ne sait pas s'il y a tout, comment c'est arrivé, pourquoi, qu'il n'y a pas de liste, etc., ben on est face à parfois des fonds, parce que, enfin, voilà, des fonds comme ça a été évoqué avec Restani, c'est quand même un certain volume. Si on n'a aucun point de repère, qu'on ne sait pas d'où ça sort, comment ça a été ramassé, bah, c'est un peu s'attaquer à la montagne, quoi. Et puis, alors, le Centre Pompidou a vécu, il y a une dizaine d'années, une vague de départ aussi de ses agents. C'est important aussi de voir que, ça a été dit tout à l'heure, on ne sait pas toujours qui a collecté, quand, comment, dans quelles conditions les choses sont arrivées. Et voyant petit à petit des collègues partir et la mémoire de ces arrivées partir avec eux, on s'est dit qu'il fallait se doter d'outils pour éviter que quand nous-mêmes partirions, les choses se reproduisent. Parce qu'on a quand même été dans une phase où il a fallu rappeler d'anciens conservateurs pour leur dire bah, « on a ça, a priori c'était votre domaine de compétences au musée quand vous y étiez, est-ce que ça vous dit quelque chose ?» Enfin, c'était quand même un petit peu étrange. Tant qu'ils sont présents en vie, etc., qu'on leur souhaite très longue, c'est parfait, mais quand ils disparaissent, l'information disparaît. L'archiviste se positionne quand même dans une perspective de transmission à long terme. C'est-à-dire que là, moi, j'ai quitté la bibliothèque Kandinsky. Normalement, tous les allers-voir que j'ai faits qui ne s'étaient pas forcément encore concrétisés, quelqu'un peut reprendre les choses. Et puis, il y a des fonds qu'on fait rentrer aujourd'hui qui ne seront pas consultés avant 50 ou 60 ans, peut-être. Et donc, comment moi, dans 50 ou 60 ans, personne ne pourra m'appeler pour me dire comment est-ce que vous avez fait rentrer ça. Donc, on a quand même une obligation de transmission d'informations, d'autant qu'on est dans des institutions publiques. Enfin, je pense que c'est mon côté service public. Il y a une continuité aussi que l'on doit au monde de la recherche et que l'on doit aussi aux artistes et aux ayants droit qui nous font confiance. Je pense que ça, c'est important aussi, parce que si cette mémoire se perd, il y a beaucoup de choses qui se perdent autour. Et pour juste revenir sur la question de ne pas tout garder, je vais juste te dire un exemple où on n'a pas pris la bibliothèque parce qu'on s'est dit là vraiment, vous parlez de volume, etc. Pour avoir vidé l'appartement atelier d'Aurélie Nemours, elle n'avait que des romans policiers. Aurélie Nemours, il n'y avait que des romans policiers dans sa bibliothèque. Alors, on a mis dans l'inventaire que la bibliothèque était constituée principalement de ça, mais à la bibliothèque Kandinsky, conserver 400 polars de la série noire, c'était pas forcément très signifiant pour nous. Peut-être qu'un jour, on se rendra compte qu'on a fait une erreur, mais ça. Bon, je voulais remercier aussi toutes les intervenantes de cette matinée, parce que ce que vous avez présenté aujourd'hui fait vraiment écho à des réflexions importantes hein, sur cette transition, cette translation d'un espace de travail et de sa topographie qu'on a appelée parfois topographie de la pensée dans les travaux préliminaires à cette journée. Et après sa préservation à long terme au sein des archives. Et nous avons hier eu une journée de travail sur les archives d'historiens de l'art où des questions similaires se sont posées. Et je rebondissais juste sur la question aussi du personnel et du professionnel, parce que on a pu constater aussi, en parlant de différents fonds, celui de Linda Nochlin qui vient de rentrer aux archives Archives of American Art, et qui a été traité de façon assez rapide et très, très pensée, contient tous ses papiers depuis sa jeunesse, depuis ses summer camps, ses lettres qu'elle a envoyées à ses parents, tout un tas d'éléments qui, pour elle aussi, avaient de l'importance et qui sont entrés dans cette collection importante et qui sont assez clairement consignés
de façon à ce que voilà, l'ensemble des archives puisse être préservé. Et on a aussi parlé du cas de Sir John Pope Hennessy, dont les archives sont conservées au Getty Research Institute, et qui sont en grande partie constituées de correspondances très personnelles avec sa mère, qui était une des personnes les plus proches, et qui donne une clé de compréhension à la fois de sa formation, de son environnement et de ses engagements, sinon politiques, au moins dans un certain, voilà, une certaine volonté de défendre une communauté qui pouvait être marginalisée par ailleurs. Et ça ne se trouve pas évidemment dans la correspondance professionnelle, où on en trouve juste quelques traces qui sont presque illisibles pour celui qui ne connaît pas le reste de la matière. Et donc, en fait, en tant que, on en parlait, les critères évidemment de sélection sont drastiques, sont liés à des questions aussi de place, à des questions pragmatiques. On ne peut pas tout garder. Il y a certains critères comme le research potential dont on parle parfois, mais ce research potential, il faut sans doute le penser de façon très, très large, et c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté quand on est obligé de faire des choix. Mais c'est là où le dialogue, justement, tel que vous l'avez présenté ici ce matin parfaitement bien, est extrêmement important, c'est-à-dire de voir tous les usages et toutes les lectures, toutes les inventions de ces archives auxquelles nous sommes confrontés dans tous nos métiers, et les métiers sont souvent croisés d'ailleurs aussi. Donc, merci beaucoup. De ce point de vue, c'est peut-être. Enfin, j'avais une petite question par rapport à ce qui a été fait sur Godiva, parce qu'il y a un attelage entre un professionnel et un chercheur, et c'est vrai qu'on a beaucoup développé ça à la Bibliothèque Komnenski, c'était un apport vraiment important. Et comment vous avez. Pardon, excusez-moi. Non, je disais, de ce point de vue, la question de l'attelage entre le professionnel et le chercheur. C'est quelque chose qu'on a développé à la Bibliothèque Komnenski, mais qui était à l'œuvre là. Et moi, j'aurais bien aimé savoir comment vous avez travaillé ça, parce que c'est toujours très. Enfin, ça rejoint ce que vient de dire France. Ça nous interroge beaucoup, effectivement, sur ce qu'on va apprendre, pas apprendre, et comment et à quel degré de finesse on va le décrire aussi. Alors, bon, déjà, moi, je pense que je suis un petit peu marquée par mon champ de recherche, qui reste quand même les manuscrits d'artistes et les artistes travaillant sur leur propre soi, c'est-à-dire les artistes des mythologies individuelles ou personnelles réunies beaucoup par Harald Zeman. Donc, j'ai l'habitude de travailler sur des archives où, justement, l'imbrication entre la vie et l'œuvre fait complètement corps, en travaillant sur Étienne Martin ou sur, je sais pas, Beuys ou autre, donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Après, je pense que c'est un champ de recherche en histoire de l'art contemporain qui est de plus en plus important, en fait, depuis les années 70, cette idée justement d'une biographie qui fait corps avec l'œuvre. Dans le cas de Gaudibert, peut-être, je m'interrogeais en même temps que vous parliez, parce que là, c'est pas l'artiste, c'est pas la mythologie personnelle. Peut-être aussi le privé et politique, ce fameux slogan de je sais pas, il y a peut-être aussi dans son cas-là, quel militantisme qui s'est imbriqué. C'est vrai que je vous entendais parler sur les archives, moi je serais plutôt du côté historien, donc plutôt essayer de tout conserver, parce qu'à un moment donné, vous parliez par exemple des factures de taxi, et je me suis dit, ah, bah, peut-être qu'une psychogéométrisation en lien avec guide de bord, enfin, bref, plein de petites choses comme ça, effectivement, les factures parfois administratives nous permettent de trouver des merveilles, hein. Je pense au contrat d'architecture ou des choses insoupçonnées parfois pour les archivistes, et le nombre de fois où dans le cadre de mes recherches, non, mais il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant, et puis en fait on se déplace et on trouve des merveilles. Donc ça, je pense qu'effectivement c'est un cas complexe, parce que peut-être que ça se... Il y a la différence entre l'archiviste et le chercheur qui voudrait avoir absolument tout disponible. Dans le cas, par exemple, d'Étienne Martin, effectivement, dans le fond du Musée d'Art Moderne, la ville de Paris, que j'ai inventorié, justement, il y a effectivement des lacets de la Biennale de Venise, mais en fait, ils sont quand même imbriqués à son œuvre, et quand même importants, de même que toutes les archives. C'est intéressant pour le fond Étienne Martin, c'est un peu particulier, oui. Parce que les archives sont séparées. Oui. Il y a un fonds au Musée d'Art Moderne et un fonds qui est resté pendant très longtemps
qui était la veuve, en fait, la seconde épouse d'Étienne Martin. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, je travaillais à la fois au musée d'art moderne, où il y avait un certain de feuillets qui avaient été récoltés par Gérard Audinet à l'époque. Parfois, il y avait le feuillet 1 qui était au musée, puis ben, moi, j'avais le feuillet 2, 3, 4. Voilà. Chez les... Lyon aussi. Hein. Voilà, alors maintenant, ça a été versé au décès de Marie-Thérèse Étienne Martin. La famille a versé les archives au musée des Beaux-Arts de Lyon, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un inventaire. Donc, voilà, en fait, finalement, la thèse permet de réunir les deux fonds d'archives, mais qui ne sont pas physiquement réunis avec des manuscrits qui sont malheureusement disséminés. Ouais. Moi, je pense que l'apport du numérique est quand même important, parce que même si on n'a pas les documents, tous les documents physiques, le fait de savoir que un complément du fond est ailleurs et puis est accessible et dont on a connaissance au moins de manière numérique. Je pense que le numérique est vraiment quand même important. Et aussi sur les questions de volume, des problèmes de conservation qui se posent au musée ou aux institutions, d'acquérir des fonds avec énormément de... de documents. Et c'est vrai que autant évidemment on vise à l'intégrité la plus totale du fond des documents qui concernent soit l'artiste soit le critique d'art, parce que effectivement je pense que même les données biographiques sont très très importantes, mais c'est souvent rare d'avoir vraiment une intégrité complète totale de ces fonds d'archives. Et concernant notre travail, moi je pense que c'est vrai que pour aborder un fonds quand même d'archives, même bibliothèque, avoir la connaissance du domaine, dans le cas de Gaudibert, c'était au moins quand même connaître l'histoire de l'arc dans la période, donc l'arc de sa création et puis jusqu'en 72, le contexte de sa démission. Enfin, vraiment, moi le fait que j'avais archivé les archives d'exposition et tout ça, ça m'a permis de me retrouver dans le fond sur toute cette partie-là. Et puis à côté de ça, Sabrina avait des connaissances aussi beaucoup sur effectivement le contexte politique, plein de choses, mais c'est surtout au niveau de la bibliothèque de spiritualité où elle avait déjà inventorié la bibliothèque d'Étienne Martin qui était un peu, enfin, qui n'existe plus, mais voilà, qui n'existe plus, mais qui était par les thèmes comme ça assez proche de la bibliothèque Gaudibert. Voilà, moi, je dirais que ce qui nous a manqué, c'était un spécialiste de l'Afrique. J'aurais bien aimé, oui, c'est vrai, parce que ça nous aurait un petit peu, je pense, on aurait peut-être un peu gagné du temps. Bon, voilà. Donc je crois que c'est vrai que l'attelage historien, archiviste, à moins que l'archiviste soit aussi un spécialiste du domaine. Dans le cas des fonds d'artistes, enfin, je ne sais pas, par exemple, Étienne Martin, si on n'a pas la connaissance de l'œuvre, l'arborescence du fond se fera complètement différemment. Après, évidemment, l'approche technique, le respect des normes, ça aide énormément aussi à travailler, à traiter un fond, c'est clair. Je pense que un historien aurait beaucoup de mal à traiter un fond. C'est ce qu'avait mis en place l'INHA, en fait, avec la base de données Agora, où il y avait justement des chercheurs, des jeunes chercheurs. Déborah en a fait partie pour l'ARC, Marine aussi pour les archives du MAM, et moi pour Étienne Martin, c'est justement ces articulations. C'était Annie Claus qui dirigeait le programme. Si je peux me permettre, moi je trouvais intéressant aussi, je pense que effectivement non seulement la collaboration avec les historiens de l'art est importante, mais aussi je trouve que les discussions qu'on a depuis ce matin témoignent aussi de l'évolution de la discipline histoire de l'art. Et comme tu disais au début, Stéphanie, que les premiers versements à la bibliothèque Kandinsky, c'était ceux de la documentation des artistes du musée. Ben, aujourd'hui, la bibliothèque n'est plus du tout ceci. Mais c'est aussi une approche de l'histoire de l'art où on pourrait aussi extrapoler. Ben, j'exagère peut-être, mais la métaphore me plaît, qu'on passe d'une histoire strictement... positiviste, documentaire,
même si le positivisme peut avoir évidemment ses grandes qualités, à une histoire davantage des idées, à une histoire des pratiques plus large que seulement la pratique artistique, à une histoire du contexte. Et c'était très sensible aussi dans la communication qu'a fait Fabienne, hein, pour montrer à quel point aussi on est en 20 ans, en 30 ans, on a changé de paradigme conceptuel et on est... Enfin, voilà, la démarche même de l'histoire de l'art s'est transformée. Ça, c'est une chose, je pense, qui est importante avec tout l'intérêt pour le contexte de avec la social art history, mais aussi avec feminist art history. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours en anglais, mais et puis d'un autre côté. Je pense aussi qu'on a appris des artistes, effectivement. C'est en vous écoutant, Sabrina, que c'est-à-dire que depuis, effectivement, les années 60, la pratique de l'archive dans les pratiques artistiques, l'intérêt, le questionnement de l'archive en tant que matériau signifiant, et aussi dans tout son abîme, dans son entropie, dans son infinitude, c'est aussi quelque chose qui informe les pratiques aujourd'hui des archivistes, me semble-t-il. On s'intéresse de plus en plus à justement collecter dans cette variété des archives. Alors, moi, j'ai recensé tout récemment un ouvrage produit par le Clark Art Institute, qui est une belle métaphore de tout ça. Alors, je me permets peut-être de dire deux mots. Le Clark Art Institute a inauguré en 2007 une nouvelle collection consacrée à la Biennale de Venise. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez que je m'intéresse aux questions des biennales, mais c'est une collection à laquelle, et donc, ils ont dédié cette année une exposition à cette collection. Et qu'est-ce que c'est cette collection? Pourquoi au Clark Art Institute alors que les archives de la Biennale de Venise sont à Venise? Quel intérêt d'avoir aux États-Unis? Bon, certainement pour les gens qui ne voyagent pas. Mais en fait, ça va bien au-delà parce que c'est dans le projet archivistique inauguré par les bibliothécaires du Clark Art Institute en 2007 et par la personne dont j'oublie aujourd'hui le nom mais qui est aujourd'hui la directrice de la bibliothèque. Le projet était de collecter tout ce que produit la biennale, c'est-à-dire tout ce qui est produit est destiné au public, à la fois des ouvrages destinés à la vente, mais aussi tout ce qui est distribué gratuitement. Et ça a très très rapidement fait exploser les limites de la démarche archivistique, parce qu'ils se sont retrouvés non seulement avec des sacs en tissu qu'on connaît tous, mais aussi avec le salami que Maurizio Cantalan a distribué à tout le monde et qui n'a pas pu entrer le territoire américain parce que évidemment, la douane ne le permettait pas, mais en revanche, évidemment, ils ont conservé le rapport douanier qui dit que voilà, l'importation de matières organiques est interdite. Mais aussi, ils se sont retrouvés avec des œuvres potentielles, c'est-à-dire des œuvres qui étaient prévues. Émilie Jassir, qui voulait mettre sur les vaporettes de la Biennale de Venise des inscriptions en arabe et en latin, et projet qui n'a pas été adopté par la mairie ou par une autre instance publique et qui n'a pas été réalisé. Mais la documentation qui était distribué aux gens existe, donc tout un tas d'œuvres potentielles et surtout tout un tas d'un ensemble extrêmement hétéroclite, mais qui témoigne, qui rétrospectivement, et c'est dans ce sens que l'ouvrage qui est produit cette année à partir de ce fonds est extrêmement riche et extrêmement pertinent et très intéressant, qui montre comment à partir de la matérialité de cette archive qui met la bibliothèque et les archives face à leurs limites d'inventaire, de normes, etc., en fait, ça permet aussi d'appréhender un objet complexe d'études qu'est la Biennale de Venise, avec une richesse beaucoup plus grande que si on se concentre uniquement sur l'histoire des œuvres qui étaient exposées à la Biennale, qui finalement nous livre une petite portion du phénomène lui-même. Et il me semble que donc, bon, j'ai été un peu longue, mais il me semble qu'il y a ces deux tendances, à la fois la transformation de la conception de l'histoire de l'art qui s'ouvre de plus en plus à de nouvelles méthodes et qui se fait accompagner par les centres d'archives, etc. Et en même temps, l'apport des pratiques artistiques avec l'intérêt pour la matérialité de l'archive. Je ne sais pas si vous avez des commentaires.
attitude of the Biennale collection? Venice Biennale collection? No, you don't. Okay. Maybe you want more practices on the art. Donc, c'est des collègues de Archives of American Art. I mean, I'm not. If you wish, you can speak English. That's perfect. So at the Archives of American Art, we collect the papers of artists, dealers, collectors, and scholars. We have about 6,000 collections and about 2,400 oral histories. And it's interesting to hear that, and comforting to hear that we face many of the same problems that you face in dealing with large collections, choosing what to keep, how to organize it in a way that feels true to the creator. And thank you very much for your presentations. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Eh bien, nous sommes parfaitement dans le temps. Donc, on va se retrouver. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est à 14h30. À 14h30 pour des études de cas plus spécifiques. Alors donc sur Harald Zeeman, Chris Marker, et puis un exemple de collecte de cinéma. Merci.